travailler. Après, c'est moi qui reprends, c'est pas marrant. Voilà, soyons fidèles à ces affiches, il faut assumer jusqu'au bout, bien sûr. Avec une petite chanson que je dis toujours à Yvette Thérola en attendant un jour, c'est ton jamais. Elle vient assister à mon spectacle. Et ça s'appelle Si j'étais une femme. Si j'étais une femme, je serais nymphomane, suivant le destin. Loin des grands magasins, j'irais croquer la pomme dans le bois de Boulogne. Non pas pour le pognon, mais pour me passer le temps. Mais je me suis un homme, un enfant, pas même un Don Juan, et je vis en province. Non, je n'ai pas de chance vraiment, il y a la télévision fantasmée, c'est mince. Et l'histoire de pleine lune, contre une modeste thune, je montre mes avantages à des femmes de passage. Si j'étais une femme, je serais du MLF, saisissant l'occasion aux manifestations, je marcherais sur les pattes de tous ces phallocrates, tout en faisant mon choix pour la prochaine fois. Je suis un mâle, un salaud, et pas même bien beau, sans la moindre aventure. Je me trimballe à pied ou à vélo, je suis bien trop grelot pour me payer une voiture. Et l'histoire de cafard, tout nu dans ma baignoire, tout près d'un grand miroir, je vais venir le jour. Si j'étais demoiselle, je serais intellectuelle, Nicolette Mussaillon, j'écrirais des romans, j'écrirais des poèmes, j'en personne de même, et je ferais mes mémoires avec rédhibitoire. Mais je ne suis pas même. Même le cinéma c'est onéreux. J'aime bien Mireille Mathieu, je voudrais lui écrire. Un mâle, un salaud, va vivre sans la moindre aventure. Train à pied ou à vélo, trop drôle pour me payer une voiture. Mais le grand jour viendra où avec d'autres gardes devant la pomme pour libérer. Quoi donc les Je remercie beaucoup mes musiciens, je ne ferai jamais.